pas bâché. Laisse-moi pour faire une remarque à Facebook, c'est que. Vous savez, oui, je parle. Je ne suis pas fâchée de quelque chose, mais moi, je n'aime pas certains. Dans la vie, je vous ai dit que il faut suivre une personne qui vous suit dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Moi, je suis. Mais il fait froid. Allez, grâce, comment? Toi, tu es dans là où tu as les jacuzzis et tout. Moi, j'ai quoi? Même vous n'avez pas les jacuzzi ici, hein? Il faut suivre les, là où moi je suis maintenant, les gens qui me suivent. Tu partages ma vidéo, je partage pour toi. Tu ne partages pas pour moi, je ne partage pas pour toi. Je suis désolé dans les réseaux sociaux. Non. Ma page, si je la laisse là, c'est la seule page que je vais monétiser. C'est parce que je ne fais pas toutes les vidéos ici, mais Warouf. Vous comprenez, non? Cette page-ci va être monétisée, il y aura les étoiles, il y aura tout ici là. Donc voilà, moi je fais mes choses doucement. Moi, je n'aime pas le mépris. Quand on dit qu'on fait quelque chose, il faut mettre tout le monde au courant. Il faut faire des choses pour tout le monde aussi. C'est tout. Moi, pour l'instant, je vous encourage tous à aller dans la page de Patricia Mel. Patricia Gemel Evans. Allez là-bas, là où elle va faire. Elle va donner le nominé de la toile. Voilà. Pour une belle surprise. Depuis que j'attends les belles surprises, là, ma con. Suis-moi la fois, allez me tuer. Tout à l'heure, je suis parti faire mes démarches pour mes problèmes que j'ai là. Voilà. C'est tout. Donc, je vous demande de vous abonner chez Patricia Evans dans sa page. Vous abonnez là-bas. C'est elle qui va faire la soirée du 5 mars pour les cuisines, la cuisine. Donc, top chef là, son top chef là, c'est bientôt. Donc, je vous demande tout d'aller vous abonner. Donc, voilà, allez vous abonner là-bas. C'est très important. C'est une Camerounaise qui veut sortir les stands, certains stands bracata. Parce que moi, je ne suis pas star. Moi, je suis une bracata chose. Moi, personne ne peut me sortir de ma bulle. C'est moi-même qui m'a sorti de ma bulle dans ma vie. Je répète que personne ne peut faire sortir de ma bulle. Je reste seul dans mon coin. Donc voilà, je ne coupe pas avec la célébrité. D'abord, je reste déjà célèbre. Je suis célèbre à mon genre. Il faut savoir que tout un, c'est tout le monde. Tout un monde, on ne peut pas bâtir un monde tout seul. Les gens qui ont les oreilles, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, personne ne va m'amener nulle part. Non, je suis quelqu'un qui est très sympa, très généreuse. Mais, s'il n'y a pas quelque chose qui ne me plaît pas, je dois le dire. Donc, voilà. Donc, voilà. Et je vous rappelle que quand j'ai dit que j'ai accepté le truc de Patricia Mel, les Waros, je n'ai pas accepté parce qu'on ne m'a rien payé. Rien, on m'a donné rien du tout. J'ai accepté ce que je voulais faire. J'ai signé un contrat, c'est juste un contrat de feuilles. Je peux décider aujourd'hui que je ne fais plus les top shop. Mais j'ai dit que je veux le faire parce que c'est une femme qui est très sympa, très gentille. En dehors de ça, c'est gratuit. Parce qu'on ne me paye pas. Ce n'est pas le pauvre trophée que je vais avoir là-bas, que je vais avoir quelque chose. Donc, je demande encore à tous les stars Bracata, Ngossa, pardon, viens faire top shop avec nous. Tu seras assis de l'autre côté là-bas, la femme joyeuse sera de l'autre côté là-bas. Parce que dans l'avion, tu vas faire commander l'avion avec moi, Ngossa. J'ai vu une vidéo là où les gens disent que oh, je ne peux pas être ami avec Ngossa, ni avec Kankam. Les deux femmes là, j'ai décidé que les deux femmes là, c'est mort et à la mort, comment on est à la mort. Mais moi, j'estime que si on doit faire quelque chose pour encourager les stars Bakata camerounaises, une personne qui s'est préparée, vous allez voir, comment on appelle ça, Patricia Mel, et vous allez travailler avec nous. C'est tout. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas être ami avec eux. Donc, voilà, j'ai donné ma parole. Quand je donne ma parole, je vais le faire. C'est tout. Je vais faire top chef. Donc, voilà. Donc, je réponds que je vais faire top chef. Donc, comme je ne suis pas abonné à ces pages, je vais essayer de m'abonner. Peut-être que je peux réussir à m'abonner dans les pages de Patricia Mel pour partager les trucs. C'est tout. Mais je fais ça à titre gratuit. Je ne paye pas, on ne me paye pas rien du tout. Je dis gratuit. Donc voilà. Moi, je ne suis pas partie des gens qui courent derrière les célébrités.
Je ne cours aucun derrière. Parce qu'elle ne voit pas toutes les célébrités là devant moi. C'est le Photoshop que nous sommes faits là que tu viens là. Tu fais Photoshop, pap. Tu fais Photoshop. Quand tu viens mettre ta Facebook, on dit que tu es célèbre. Tu sais ça, hein? J'ai dit objectif pour moi 2022. 2022 arrive, si tu peux. Et là, nous sommes là. Au début du mois de décembre, je dois respecter le mois de décembre, c'est le roi. Le mois de la joie, de la famille. Vous comprenez, non? Ça, c'est le mois de la famille, de la joie et de tout ce qui comporte. Vous comprenez? C'est tout. Voilà. Mais je reste dans mon coin. Je n'aime pas le mépris. Parce que quand on me méprise, faut vous attendre qu'avec moi, ce n'est pas comme ça, hein? Parce que je sais que quand tu fais quelque chose, toi-même tu dois avoir partagé quelque chose dans ta page. Habilité. J'aime ta présence, mon Dieu. Allons faire le top chef. Pour moi, quand il parle de top chef ou pas, la vie je vais être pas tout à manger chez elle. Parce qu'il y a là pour les gens qui parlent. Je ne souffre pas. Ça va arriver qu'il y a des moments que parfois je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'espèce, je suis dédié que ça va arriver à tout le monde. Et moi, quand je joue avec mes nerfs, parce que peut-être que c'est la guerre des nerfs, hein. Tu viens dans mon événement, tu viens dans ton événement, ça se passe comme ça. Il y a déjà ici qui se pose au-dessus de tout. Au-dessus de tout ici à Facebook, tu viens chez moi, je viens chez toi. Tu ne viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi. Vous allez partir Kounia. Tu veux Nathalie ou c'est Nathalie ou quoi là-bas? Elle vous connaît ou elle peut vous dire bonjour? Elle peut venir quand vous faites vos choses. Si tout le monde était comme moi, hein. ce que Facebook, les gens qui parce que moi je suis d'abord orgueilleuse dans ma misère, orgueilleuse, mais j'aime la joie. J'aime les gens qui sont carrés, vous comprenez, non? C'est la vie, il faut être carré. Tu viens chez moi, je viens chez toi. Hein? Ça veut dire quoi? Non? Pour être le pas encore en code. Il faut comprendre, il faut prendre les gens en considération. Et je répète que j'ai signé le contrat de Patricia Mel. Oui. Je ne suis pas payé, c'est à titre gratuit. Je n'ai pas besoin, j'ai assez de lumière sur moi comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller sur les Champs-Élysées pour qu'on me voit. Vous comprenez? Mais pourquoi on me voit? Non. Je n'ai pas besoin. Moi, si je veux partir chez ça, je mets ma perruque là maintenant, je mets mes corses. Je marche, j'arrive sur les Champs-Élysées. Je me filme, on va me voir. C'est tout. Et moi, d'abord, je n'aime même pas là où il y a trop d'Africains. Au Cameroun, il y a trop de noirs comme ça. Quand il faut faire quelque chose, il faut faire ça professionnellement. C'est tout. Donc, voilà, moi, je connais très sympa. Donc, je vous invite d'aller tous chez Patricia Mel. Et mes soeurs qui sont qui n'ont pas encore signé là. Signé. Nous ne sommes pas là-bas. Si vous, on vous a payé, moi je n'ai jamais rien reçu ici. Donc, moi, pour moi, c'est gratuit. Comme j'ai déjà signé. Je peux tuer Dieu aujourd'hui que je ne parle même plus. Qui va m'arrêter? Qui va me faire quoi? Hein? Donc, c'est juste mon petit coup de gueule. Les gens qui ont des oreilles vont bien comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, c'est de Ngossa aussi. Ngossa, c'est une saleté, une poubelle, sa femme l'aime. Et on m'a dit depuis que tu étais ici. Ma, donc ton grand frère me sent, lui il est fâché contre ta patronne, FDN. Aïe, champagne! Il a dit que je vais laisser vous mettre ça, fait tout. Ah, la maison tient. Ouais. Et allez. Mais non, c'est pas que pour la cuisine camère, c'est pour toutes les cuisines. Attends. Il y aura les Ivoiriennes. Je sais pas. Hein. Aïe. On ne couvre pas le gombo. J'ai couvert, mais je me suis rattrapé. Voilà.
tu fais le gombo, tu pars tous les restes de poissons que tu avais chez toi là. Tu fais non? Tu fais ça devient un gombo royal. Comprenez? Quand vous préparez chez vous, ne jetez jamais le reste de nourriture. Prenez vous mettez quelque part au frigo. Ça peut vous servir plus tard pour manger. Là j'ai beaucoup de poissons. Là c'est poisson fumé. Je fais. Et là ce sont mes petits. Vous connaissez mes petits cailles là. La dernière fois là. Voilà. Donc, les trucs qui sont fragiles. J'invite tous mes soeurs et mes frères. Allons tous. On va aller aux Champs-Élysées. J'ai parti ici à Mel, s'il vous plaît. Hein? Sinon, tes soeurs, elles vont nous sortir preuve de la misère des réseaux sociaux aussi. Mais je dis et je reviens dire que moi, on ne me paye pas par moi. Hein? Comment paye un gros ça? Vous avez un gros ça, n'a jamais aimé ma sang. Hein? Hey! Ma sœur est fâchée contre toi. Eh, mais voilà, tu es une mangiane. Tu es une mangiane, une vraie mangiane. Peut-être que tu dois dire que les gens qui ne mangent pas en France, c'est vrai. Il y a des gens qui ont faim en France. Maman, ton grand frère est fâché contre toi. Elle est continuée. Hein? Elle va mettre des trucs de. On appelle ça comment ou c'est un chic ou c'est qui va dedans. Elle va mettre ce mot de chic de fleur de lys là. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas. Je dis que tu n'es pas une femme. Ton frère est fâché de toi. À cause de ce que l'autre a dit. Toi, tu continues à mettre, à publier. Tu travailles pour 300 euros. Mais ça, vraiment, hein. Ça, c'est une racaille. Quand tu marches avec la racaille. Ça, tu as faim, tu as soif. Pour 300 euros, tu nies ton frère, me sang. Et puis tu vas avoir me sang. Et bien, tu gagnes, hein? Me sang couche avec, me sang couche avec compression, c'est pour ça. Oui. Donc, star, me sang, il te manque pas. Me sang couche avec compression, il te manque pas. Me sang couche avec, il fait l'amour ensemble. Mais oui. Et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'elle fait à sa tête. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils couchent ensemble. Mais ça aime le dentier de Ngosa. Ouais, je mange comme ça, après je vais jeter ma frère. Ton grand frère est fatigué de toi. Toi, tu continues à mettre l'étude de fleurs de Lille. Employé de FDN. Maman. Ngosa. Facebook. Ouais, on appelle ça que les obstacles. Donc je mets des piments sur chauffe. Chauffe. Ouais, Gossa. Gossa. Ouais, Gossa. Gossa. Ouais, Gossa. Ouais, Gossa. Et ça, puis quoi, avec toi, tu n'as même pas honte. Ça bouille ma belle fleur de lune. Les deux la font l'amour ensemble. Parce qu'il y a des gens ici, ils attendent que ton lune ne se mange pas. Maman, ton grand frère me sent fâché. Elle est fatiguée contre toi. Fâché. Toi, tu continues toujours. Non, je suis sûr. J'affirme et je confirme que me sens avec Moussa. C'est vrai. Hein? Les ayam fait ça là, il y a pas à Facebook, hein? Et comme Gossa est plus légère là, elle aime le tomahawk. Parce que Gossa aime qu'on enfile bien les pénis là-bas, derrière jusqu'à Dambo. Je suis sur ma sanson avec quoi de. Non, ma sanson avec Gossa. Alors là, c'est vrai, hein? Maman, ton grand frère, tu dis que ma young frère est fâché pour quelque chose. Toi, elle va mettre le truc de. Tu continues à faire la publicité. Le fleur de l'île, maman. Tu as faim, tu as soif, dis donc. Tu as faim, tu as soif. Tu entends, non?
Moi, j'encourage tout le monde, non? Et moi, j'encourage, j'ai le choix. Moi, je m'en vais gratuit. Moi, on ne m'a pas payé parce que je ne veux pas qu'on dise que oh, la veille, je vais aller préparer, je suis parti, ça, mais parce qu'on m'a payé. Je m'en fous comme dans quelque chose ou pas. On me dit maintenant que je viens, puis ça me fait quoi? Je m'en fous. Moi, je mange chez moi, je vais manger chez moi. Je mange. Mais moi, je vous ai dit que mes waros, objectif 2022, ce ne serait plus la même veuve. Hein. Ce ne serait plus la même veuve. C'est moi qui vous dis. Vous savez que ça dure. Hein. Ah, le gombo, regardez mon gombo. Je vous présente mon gombo. Elle ne comprend pas. Des obstacles de ça. Voilà. La carte que tu manges, ça, tu ne veux pas qu'on sonne à ta porte. Donc, voilà. Il y a tout ici. La femme ça accouche quand? D'abord, dégage ici, c'est beaucoup d'abord pour commencer. Bye. Si tu te pourquoi tu viens t'amuser ici, hein? Ça ne marche pas. Au revoir, ciao. Paf. Tu casses ta tête. Tu as ta réponse. Angosa. Hé, hey, maman, pas dire ça, tu fais comment? Après, j'ai dit à la main des jumelles que. J'ai dit à la main des jumelles que. Ngosa sort avec pas, mais ça. Les deux là sont en couple depuis. Parce que Ngosa adore le Mounienge là-bas en bas. Parce que quand elle tourne les fesses comme ça, Bam Sang là, il regarde. Maman, c'est le signe Nyanga, je te laisse. Pourquoi j'ai pitié de toi? Elle va faire la publicité de Fiordini parce qu'elle est payée 300 euros, elle ne fait pas ça gratuit. Je passe sur le courant, c'est toi qui suis sur le courant parce que moi je peux te casser la veste si je veux. Tout à l'heure, tu es venu dans mon compte là-bas, non? Fais pas encore ici, tu es venu dans mon compte personnel tout à l'heure quand je partais faire mes choses là. Je n'étais pas bloqué, je t'ai laissé. Tu me suis ici. Donc ferme ta gueule. Céleste Nyanga. Ferme ta gueule. Ici chez les Waros. Va chez les Babileke, chez les Bassa. Ici, on est neutre ici. Tu entends? Va chez toi, je te dis après, va chez toi. Si tu commandes encore ici, je te bloque le compte. Hein. Parce que toi là, je t'ai laissé. Hein. Qui va sucer le courant? Tu vas sucer le courant autant que je veux. Je peux te bloquer partout. Je peux me demander. Tu sais, maintenant, on est à Meta. Hein. Meta est déjà là. Hein. Tu entends? Moi, je peux te demander aux gens de te suivre partout où tu es. On te bloque tous tes comptes. Tu entends? Si tu te laisses tout à l'heure là dans mon compte, là, c'est parce que j'avais pitié de toi. Si tu es alors une femme, dis à quoi commenter ici. N'aie pas peur de moi. Parce que là, tu es venu d'abord dans mon compte ici. Je t'ai laissé. Je vais te montrer que tu vas sucer le courant et que tu me lèches les pertes blanches. Essaye encore. Oui. Je suis une énième avec quoi? Tu vas voir Fiona Lili peut faire la publicité de Mossa un jour. Fiona Lili peut faire la publicité de Mossa. Vous aimez quand Fiona Lili appuie les gens en haut, en bas. Elle n'est rien aujourd'hui. Rien. J'ai dit aucun liti. Aucun liti ici. Aucun. Ngosa ne fait aucun liti, tu entends, non? Oui. Ngosa, c'est la toute la toile. Ngosa n'est rien. C'est la dernière des dernières. Viens encore parler ici si tu es une femme. Tu sais que je t'ai laissé. Parce que j'ai pitié de toi. Tu cherches où aller. Hein? Tu vasouilles partout. Hein? Je suis bien bloqué parce que tu peux caler mon compte. Au revoir, c'est Céleste Nyanga. Pac, je t'ai caché la gueule. Va sucer la canne maintenant, alors. Haineuse. Je dis qu'il y a un. On appelle le gombo, c'est que le gombo de la gloire glorieuse. Trop bon. Regarde Dieu. Regarde ton sale beau visage. Sale lesbienne, dégage. Va dans les pattes blanches. Ici,
dis chez moi, je fais ce que je veux. Tu entends, non? Va lécher les pères qui viennent chez Moussa. Va lécher le sang de Moussa qui pue le sida. Et tu vas lécher les sales fesses de Kankam qui pue la merde. Ok? Salope. Pac. Bon. Donc voilà. Vous allez encore dans l'anime Facebook. On va animer Facebook. Ici, on va le gombo. Ici, c'est le gombo de la gloire glorieuse. Je n'ai pas la recette. On va boycotter tous vos produits à la con là. Comment on dit qu'on boycotte pour Bébé Joyeux Nganda? On va boycotter FBL. C'est de ça qu'il s'agit ici à Facebook. Et vous aimez quand maman est ridicule déjà, maman, pour 300 euros parce qu'elle veut payer les petits gardes. Le cadeau à Gazoulette, elle se fait ridiculiser les réseaux sociaux. Quoi ça, maman? Maman, la publicité de ça. Maman, quand elle paye 1000 euros, parce que la fille a payé 1000 euros, toi, donne 300 euros. On a dit que tu dois apprendre à. Où c'est ceci là? Elle a dit que quoi? Tu dois apprendre à travailler, hein? Maman. Elle avait même dit que quoi? Quand Gossa doit apprendre à faire quoi? Gossa. Il faut apprendre à aller pêcher, hein, Gossa. Tu entends? Tu entends? Gossa, il faut apprendre à pêcher. Parce que tu ne pêches pas. Quelqu'un te lance les coups tous les jours. Toi, tu es toujours là. Tu suces quoi comme ça? Tu as peur de quoi? Hein? J'ai dit, l'an 2020, maintenant, comment? N'a honte sur la toile. Tu es une affamée mentale. Tu as vu l'ennemi de l'an 2000. Hé! Hey! Maman, vivement, elle passe pas à payer les 16 millions là. Tu vas sauf pas payer ça, quelqu'un. Tu vas payer ça. On te la gagne que dans les réseaux sociaux. Maman, Calamari n'a pas marché tout ici. Calamari n'a pas marché de tout si. Est-ce que toi et toi, Ngossa, vous deux là, tu dérives, vous n'avez pas la tête? Maman. Je suis parti acheter les sacs au marché, acheter les pailles. Quelle paille tu partais acheter au Togo? Hé, avec tous les pailles qui sont ici à Château Rouge. Quelle autre paille, tu n'as payé aucune paille, tu partais laver ton corps, ça te gratte. Mais de tout ce Calamari n'a pas marché sur personne, ça va te retourner sur toi. Tu vas commencer à marcher nu ici. Oh, ah. Ah, mais regarde-moi ça. On vous a dit que c'est maintenant des sous-quartiers. On ne vous a pas vu. Tu n'as même pas honte. Tu as insulté Nathalie Nkoye ici depuis des années. Quand comme toi, si. Insulté Nathalie Nkoye ici. Nathalie Nkoye. Elle peut se mettre en photo avec toi. Tu vas payer 3000 euros. Quand on va te voir en photo avec Nathalie Nkoye, tu vas payer. Tu entends, non? Tu vas payer 3000 euros à Nathalie Nkoye pour se filmer avec toi. Tu as oublié. Nous, on n'oublie pas, hein? On ne peut pas t'oublier, hein? Pas question, on ne peut pas t'oublier, quelqu'un. Il faut voir aussi celle de la femme d'amour là. Une suiveuse. J'ai dit, hein, j'avoue, moi, si tu accouches en route, tout ça pour faire quoi? Pour être filmé à Bruxelles avec Nathalie quoi? Nathalie quoi est devenue quoi? Elle est l'icône de quel pays? L'icône de prostituée, oui. Est-ce que je me tais, sinon on va m'arrêter à l'aéroport, pardon. Maman. J'ai dit que faire pour rien que ça. Maman. Les gens se déplacent. Parce que vous êtes filmés à Yahoo d'ensemble. Parce que c'est comme si on vous filme, on vous voit avec elle. Quand on n'est pas parti, tu as oublié quand tu t'es donné quoi ici? Hey, prostituée, tu baisses avec tout le monde entier. Il y avait que la médiction Ngossa si Patricia Valenza. Anti. Yemane. On appelle comment Marie Christine Bomozoy. Qui te parle à Daniel Kwa ici? Toi, tu étais assise. Tu as insulté. Tu as dit toi si tu as insulté Daniel Kwa jusqu'à insulter. On n'a pas
vu. Là maintenant, tu racles les murs. Tu racles les murs pour la saluer. Comme je vous ai souvent dit que pardon, il faut souvent être comme moi. Hein. Incognito, je vous. Nathalie ne croit pas être devant moi là. Je la vois comme ça. Vous croyez que moi je vais me lever, on ne joue pas la saluer. Jamais. Vous avez le match vu. Moi je vais dans les vrais événementiels. Maman, il faut les voir comme elle racle les murs derrière les autres femmes. Pac. Pour les voir. Regarde comment ils font les couscous. Pas que tu as déjà mangé que vous. Oui. Je ne souffre pas en France. Peut-être que c'est l'argent qui me manque. Les moyens me manquent, oui. Mais je ne souffre pas. Pour les voir. Vous insultez les gens aujourd'hui. Vous tenez que la YMC à Facebook. I am sir. Pauvre de crevade va. Femme sans but. Les manœuvres de Facebook. Je dis que je ne vous ai pas laissé. Je dis que c'est des intenses, maman. On va à ma Facebook, c'est pas recommencer que vous. Regarde ça dans ça là-bas. Les yeux sont là comme ça. Aucun du tien. J'ai vu la fin du débat pour dire que. Hey, il faut qu'on aide. On aide personne. Ouais. Aucun du tien. I am the prêtre. Ouais. Il faut les voir. Gossa, tu m'as préparé plus que moi. Allons à Top Chef. Avec un Top Chef. Allons à Top Chef, Gossa. Ne reste pas là. Je ne peux pas respirer là où celle-là est. Toi, tu es qui? Une femme remplie de sida, de maladies comme toi. Tu me vois? Tu me. Hé, hey, Choninga. Attends. Regarde comment il fait. Ouais. Maintenant, tu ne donnes plus l'argent. Yo, tu n'as que quoi, tu l'as. Tous les jours, tu pars ou dans l'autoroute. Vendez les lasses en pied du sida. Les lasses en pied du sida. Tu pars à qui? Je peux appuyer jusqu'à. Les voisins sont partis. Ouais, allez. Ouais. Que les danses un peu. Ayaba Bena, Ayaba, tu ne y as pas eu aucun allu. Ah, dis donc, fichez mon appel avec ça. Je n'aime pas qu'on me dérange. Pardon, j'anime Facebook. J'anime Facebook, pardon, je suis pas avec vous là-bas. Maman. Les autres qui font les rapides de vous. Nathalie, quoi? Nathalie, hé! Hey! Depuis la lettre du congrès, c'est que là. Stop, racata! Personne ne bouge. Mais nous, on bouge bientôt. T'inquiète. C'est qui ici? Maman? La veuve de quoi? Mm-hmm. Partagez les vidéos, hein. Elles n'ont même pas honte. Hey! On appelle ça contamination. Yeah.
pour ça. Parfois, un jour, je m'en vais en direct. À l'époque, je dis bloc, bloc, bloc. Voilà, on ça. Et aussi, fait comme si. Tu vois comment que tu dis, tu écris que le cul de ta mère, gosse là. Les gens, les mouvaient à peine ce moment-là. On dit que, mais, bloc. Elle est là. Ouais, elle regarde le côté, elle regarde aussi. Ah, on a passé quoi pour moi à faire ce. Le jour où elle était là, elle m'a dit, si, si. Elle m'a dit, ouais. Là, non. Tu vois comment on insulte, moufane. On insulte jusqu'à connaître les 100 jours de Facebook. Voilà ma soeur. Elle aussi, elle fait comme ça, elle va aussi lire les commentaires. Ah. Moi, le gars, l'esprit de Stan Brakata. Les Brakata choses me parlent. Les Brakata choses. Les gens de Facebook, Facebook pour faire. Ouais, une grosse pute, ma préférée de Facebook. Elle me donne les ordres. Vous avez entendu, non? Moi, voilà qui a averti, hein. J'ai averti la chose là. C'est quelque chose. Tu peux avertir qui? On ne boit une vieille à quoi ça? Toi et moi, c'est une place. On a. Ouais, Facebook. Hein. En tout cas, on a passé un bon moment ici à Facebook. Ce n'est pas facile. Maintenant, c'est A, B, C, D, machin, tout ceci. Quand je dis que même la voix, je ne sais pas écrire l'alphabet français. Je ne sais pas lire. Je suis là pour lire l'alphabet français. Puis, Sylvain. Mais pour des fois, vous venez défendre un ça dans quoi là? N'est-ce pas? Ah, Nathalie Babali. Coucou Nat. C'est comment? Attends. Nathalie? Ouais, j'ai vu que tu es au Cameroun. Ah, bah ça va très bien. Oui, j'ai vu que tu es à Middle, ouais. Tu rentres quand? On sera la soirée, hein. Bien sûr, on sera notre soirée de Patricia Mel. Hein. Il faut qu'on commence à lui faire la publicité. Hein. Ok, non, moi je vais lancer à partir d'aujourd'hui. Je suis à la maison, je vais faire le bon mot. Ok, bon bisous. Hein. Merci, bye. Merci, bon gombo, et tu es grave, hein. Bon gombo aussi à toi, bon goût à toi. Salut moi les gens de Yaoundé, comment tu vas Yaoundé? Bye, bisous, merci Nathalie. C'est notre chef Dizo. Et non, pas que je l'appelle que chef Dizo, hein. Ouais, et année. Je
Rechargez votre pass Navigo entre deux vidéos. Avec la pass NCF, rechargez vos titres de transport en un instant. Téléchargez l'application dès maintenant. Bénissez ces mains qui l'ont préparé. Amen. Parce que quand on prépare comme ça, on mange comme ça, surtout le gombo, il ne faut pas les choses qui dérangent dans les oreilles. Je vous dis que, comme vous ne voulez pas animer Facebook, moi je vais animer ces jours, si vous allez comprendre. Lesquels, à 17h, je sors. Je vais faire mes petites choses, mes petits jobs. Merci. Tu sais pas que les gens qui ont fait ici en France. Avant, je préparais comme ça. Il y a les Camerounais qui vivent ici à côté. Ici, ici à Vador, là. À Saint-Claude, il y a un truc là-bas. C'est comme les chambres de bonne. Il y a les Camerounais là-bas comme ça. Je peux pas comme ça, je viens les appeler. Qui viennent manger. Un jour, je suis parti au café là-bas. Ils ont eu l'argent. C'est quand il m'a dit que maman va voir ta personne. La personne a eu l'argent. Il me dit que bois un verre. Maman, j'attends seulement qu'on va me dire que la veuve va même 100 euros. Hein, rien. Il est regarde seulement comme ça. Même pas que la... Moi, je portais, hein. Je prenais souvent le foie, les mamies de foie. Quand je prends mes soins comme ça, mon ventre, ça avait le foie. J'allais donner, hein, que venez chercher, maman. On chargeait le pain. Quand ils ont faim, restez, c'est comment? Mais comme l'homme camerounais est ingrat, vraiment pas. Maintenant, hein, après, je vais manger encore ça. J'emballe, je mets au frigo. Quand je n'ai pas mis le préparer, moi, je mange. C'est les Nigériens. Tu es ami avec un Nigérien. Quand un Nigérien a l'argent, la première personne qui pense d'abord donner, c'est toi. Parce qu'il pense la personne, le foufou, je mange le foufou. Les Nigériens pensent la personne qui l'a donné à manger. Hein. Le Cameroun ne pense pas. Quand le Cameroun a l'argent, c'est la personne qui donne tout le temps la main. Hein. Maman, que le Cameroun, il déteste. C'est que moi, maintenant, là. Merci. C'est le gombo, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. J'ai trop maigri. J'ai trop maigri, trop. Vous ne voyez pas. Mais il faut encore que je maigrisse encore un peu. Parce que j'ai envie d'entrer dans mes vêtements de 36 là. Ouais. Que j'entre dans mes vêtements. Si vous étiez à côté, quand je viens seulement, et puis je suis tellement généreuse que je n'aime pas mis le crabe aujourd'hui, moi j'aime même le crabe. Je vais regarder au verre demain. Je vais regarder au verre demain. Passez vos commandes. Emportez ou sur place.
ça m'aiguit des oreilles. Alors, vous êtes toujours comme ça. Je vous dis que j'ai maigri, vous dites que j'ai maigri les oreilles. Je n'ai pas envie de devenir comme avant, mais parfois il faut un peu baisser un peu. Parce que c'est pas possible. Hein. Tu commences à venir. Et quand tu grossis les oreilles, même les pieds grossissent, tu n'arrives pas à porter les chaussures, c'est pas bon. Hein, Ngosa, quand Ngosa me voit manger comme ça, je l'aime. Ngosa, 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 Ngosa. Ouais, Ngosa. Alors, si tu es où? Tu es dans le cam. Ou tu es dans l'eau, allô, Mako. Ngosa, 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 Ngosa. Moi, je mange. La vie est facile. Passez vos commandes, on gada. Victoria, c'est comment? Hein? On est sur Ouganda. On s'avoue. On va animer Facebook ces jours-ci. C'était intense, c'est un peu calme. Nous, on doit vivre. Les Camerounais qui parlent déjà du Pougon là. Assez. On parle maintenant de Lady Sonia. Ah ben, Lady, il y a des gens qui moi, je ne peux même pas parler de... Oui, c'est pour monter ton pénis. Tu veux monter ton pénis, c'est ça? Bâtard. Mon Dieu. Mon cœur. Maintenant, pas de Lady Sonia. Qui va parler de vous? Ah ben, quoi tu as mon nom? Il faut voir les Camerounais. Les Camerounais sont assis maintenant là-bas. Comme si c'est elle. Comme si Lady Sonia. Les Ivoiriens ont parlé de Nathalie, quoi. Ils ont parlé de Cancam. Avec ces gangans que les partis font là. Parce qu'ils s'en foutent de vous. Vous êtes des suiveuses. Des suiveuses. Vous croyez que moi, il n'y a pas des choses comme ça. Il y a des femmes qui s'identifient aux gens comme ça. Restons ici. C'est une chose d'un bracata. Comme certains veulent dire qu'on les voit. Que eux. Quoi?
Vous voulez seulement que c'est vous ce qu'on doit voir. Voilà ce qui arrive. Eh oui. Ouais, une fille de 12 ans, mais c'est douloureux, hein? Sa fille a été malade, ma. Ouais, toutes mes condoléances, c'est Nicole. Ouais. Je vous dis. Oh. Mais ça travaille aussi dans les petits. C'est les petits parties. Travailler, c'est ça, c'est P. Hein? Les petits quoi? Non. Je ne peux pas venir à ma cadet poissonner pour un champagne. Non. C'est gentil, mais bon. La prochaine fois. Moi, je vais voir les champagnes chez moi. Je vais quitter si vous venez voir les champagnes là-bas. Dès que l'anniversaire de Namango est fini, je commence à voyager. Je te dis, j'ai un devoir avec ma soeur. J'ai une seule parole. Même si c'est arrêtant ou pas. Petit travailleur tout terrain. Mais oui, c'est bien, non? Ah bah oui, moi, mais je peux. Je fais partie de ça, hein? Mmh. Ouais. Moi, mais je fais partie des petits travailleurs tout terrain. Mmh. Ayop, ayop, ayop. Petit travailleur tout terrain, ayop, ayop, ayop. Et PTT. Mmh. Mais Ngoza aussi fait partie des petits travailleurs tout terrain. Hmm? Et tu ne regardes même plus ce que tu fais. Mais pourquoi? Tu ignores que quand je suis chez moi, je regarde la télévision. Et que je regarde, est-ce que je vous regarde vous? On n'a pas marre de mon vieux visage. Douze ans, en classe de troisième, on a seulement sauté ses cours, quoi. Elle était surdouée, 12 ans en troisième, et ben,
Ah, on mange comme en Afrique, non, c'est quoi? Donc, je dois seulement regarder mon plat. Non, je mange ça comme ça et c'est fini. D'ailleurs, je dois sortir. Mais il fait froid. Hein. Il fait très froid dehors là-bas. Mais il peut faire encore la neige. Parce que quand il neige, il ne fait pas froid. Je bois quoi? Je bois du champagne maison. Elle a 12 ans. Elle est en troisième. C'est une question que je vous pose. On a seulement... Quand vous venez avec une histoire ici, il faut me répondre. Hein. Parce que vos commentaires font la derrière, là, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je n'ai pas. Quand Nicole Captcha, Momo Stone, Nicole Captcha, Nicole Chapfait, comme vous êtes quelque part, vous détournez toutes les choses des gens. C'est comme ça, moi, je vous enlève encore ici. Vous amenez une histoire. Je vais demander qu'elle a 12 ans en troisième. Elle a fait comment? Est-ce qu'elle est soudouée pour sauter les cours? Je vous pose une question. Elle était très brave, hein? Mais c'est hors de question. Une fille qui a 12 ans ne peut pas être en troisième. Sauf si on t'a 12 ans en troisième, c'est possible, non? C'est uniquement possible quand on te saute des cours. On te saute des classes. Arrêtons. S'il faut qu'on commence. Mais s'il faut qu'on commence bien, bien là. Arrêtez-nous tous, on est à l'école quand même. Comment? C'est possible uniquement quand on sort des classes. C'est pour ça que j'ai demandé si elle était soudouée. C'est tout. Donc ça peut dire qu'à 18 ans, tu seras déjà ou à l'université. Ou à 20 ans. Ou à 16 ans. Il y en a, mais c'est ce qu'on sort des classes. Je vous demande si on a sauté les classes ou pas. C'est tout. À l'école anglophone, ça veut dire qu'on a sauté les classes. Parce que les anglophones, eux, souvent, quand l'enfant est sudoué, on te saute les classes. Elle a juste beaucoup de classes. Ça veut dire qu'à 15 ans, elle va faire son bac. À 16 ans, elle sera. Maguide, Madilan, toi tu viens faire PTT au bosso de quoi? Hein? Bon. Oui, oui, je dis que oui, c'est les soudoués, mais oui, c'est les soudoués ce que je dis. Vous avez vu, j'ai bien mangé, hein. Non, ça ne peut pas être possible si on ne saute pas les classes. S'il faut vraiment commencer à faire tout ce qu'on dit là, non. Que, non. Et quand on saute les classes, oui. Ça ne peut pas être possible. Un enfant de 12 ans ne peut pas être en troisième. À 12 ans, si elle n'a pas sauté les cours, les classes élémentaires. Ah, comment? Pardon. Alors, chez Blakata. Voilà. Si on a sauté, là, il faut me dire, c'est ce que j'ai parlé depuis que oui. Si on a sauté, oui. On va dire qu'elle est, au-dessus de la moyenne. Ouais. Et le 16e, oui, maintenant, pourquoi? Ouais. L'amour, je n'ai pas. L'amour n'en est pas honte, hein. L'amour n'a pas honte, je vous dis.
C'est pour ça qu'il faut toujours bien manger. Vous comprenez? Il faut toujours bien manger avant de dormir. Pourquoi je ne sais pas là où la mort va vous attraper là-bas et que vous expirera faim? Pourquoi moi j'ai fini de manger mon gobo comme ça et d'aller là maintenant là au moins? J'ai d'aller avec la joie. Vous comprenez non? On appelle ça mort subite. Ou on allait la vendre là-bas au pays. Jamais au pays. Tchap-tchap. Maman Stone. Sa main est au pays. Tu veux ton baccalauréat? Par contre, on t'a sauté. J'ai demandé que. Tu veux ton baccalauréat à 14 ans? Pas de soucis, mais par contre, on t'a sauté des classes. Tu n'as pas fait un truc normal. C'est-à-dire que tu n'as pas commencé. Jardin d'enfants, s'il. Ouais. Hein? Jardin d'enfants, s'il. Préparatoire. Cours élémentaire 1. Cours élémentaire 2. Cours moyen 1. Cours moyen 2. Lycée. On appelle ça comment? Oui. Après, tu continues. Mon problème, c'est que j'ai demandé que. Hein, parce qu'il y a un problème. Attends. Écoutez-moi très bien. Vous savez que les Camerounais aiment quelque chose qu'on vous pose comme question qui est très facile à répondre. J'ai demandé que la petite fille ici, hein, elle a 12 ans. Malheureusement, apparemment, elle est morte. 12 ans en troisième. Ça veut dire qu'on a sauté les classes. C'est ce que j'ai dit. Oui ou non? Il fallait me dire que oui, tchap-tchap. C'est tout. Parce que quand vous parlez souvent comme ça, il faut souvent bien préciser aux gens. Parce que les gens peuvent croire que c'est une histoire normale. Les gens vont entrer dans les maisons, commencer à taper leurs enfants. Que voilà une petite fille qui a 12 ans. Toi, tu as encore. Elle a un coup moyen 2 ici là. Tu as encore coup moyen 1. Tu as encore fait ceci à 12 ans. Tu m'aimes pour lycée et tout ça. Voilà. Vous voyez, non? Ta fille est au terminal à 15 ans parce qu'elle est douée à l'école. C'est tout. On a sauté ses classes. Hein? Elle me débrouille, ça, maman. Le gombo, si. Vous allez voir tout à l'heure, je vais m'habiller encore pour sortir. Parce que je dors là, c'est pas bon pour moi. Le parti des petits travailleurs. Oui, je m'avais maintenant fait mon petit parti des travailleurs. Je m'en vais dans le parti là. Le parti là m'intéresse. Oui. Il va mettre la pression aux enfants. Hein. Tu as vu. Mon ami a bien un BPC. Voilà ma fille qui a eu le BPC. Et ta fille encore en cinquième. Elle ne peut pas passer par là. En quatrième, elle a échoué deux fois. Tu vois une petite fille, on a bien une petite fille qui est mise chez toi. Dès que. Ok, ce soir. Je travaille, oui. Oui, il va sortir tout à l'heure. Elle me bat. Il y a les mamans qui font la pression aux enfants. Surtout les mamans. Et surtout les mamans. Moi, ma fille qui a alors eu 14 ans. Elle va, comme là, dans quel pays là? J'ai vu pas en Côte d'Ivoire. Au Sénégal. Il y a deux petites filles, elles ont 14 ans ou 16 ans. Elles sont à l'université. Elles vont aller à l'université. Elles ont eu leur bac, baccalauréat. Ah, c'est une prouesse. Il
Tu as fait en langue. On a fait quatrième. Mais c'est normal. Parce qu'on a... On a sauté des classes. Tous les studios de ce monde ici. On a sauté des classes. Parce que ce sont des enfants extrêmement intelligents. Vous voyez? Les enfants sont tellement intelligents qu'ils s'ennuient dans les classes parce qu'ils connaissent tout. Il y a même certains enfants sudoués qui sont devenus professeurs plus qu'à la place des professeurs. Oui. Ouais. Nous, on est sudoués dans le A, B, C, D, vraiment. Nickel. Je vous dis, regardez ça. Je te dis, A, B, C, D. Nous, on s'arrête que A, B, C, D avec Ngossa. Elle est tellement sûre d'elle. Ce qu'elle dit, il n'y a pas F. Vous avez vu? Il n'y a pas F. Rodrigue, tu vois ce que tu viens faire là chez moi, là. Rodrigue n'a pas d'enfant. Le fils de Rodrigue a 4 mois. Vous voyez alors, vous voyez comment quelqu'un peut venir vous indiquer des rendez-vous. C'est mon copain, c'est mon ami, Rodrigue. C'est le pasteur de l'église là-bas, hein. Rodrigue aussi. Rodrigue de tous, c'est le pasteur de l'église. Il est là, il a de vous faire rire. Il dit que son enfant a 11 ans. Vous croyez à ce qu'il dit. D'autres viennent mettre les cœurs. D'autres viennent mettre les rires. Vous voyez, vous aimez que ça. Hein? Et les enfants qui sont... De toute façon, les studios sont obligés de passer leur bac. Parce qu'ils sont obligés. Sinon, ce sont des êtres que maman... Ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein? Ils n'ont pas besoin. Mais comme dans ce monde-ci... Dans ce monde-ci, il faut bien avoir les diplômes, hein. Et c'est pour ça que ils vont en classe, hein. Les enfants sudoués, parfois ils gênent même souvent les autres parce qu'ils connaissent déjà tout. Donc on met une équation sur une mathématique. Donc on met à Facebook, il a trouvé. Même les maîtres, alors que le maître a lu. Étudier pour pouvoir connaître les mathématiques, connaître les matières et tout. Et ils connaissent tout de suite. Dès qu'on fait un problème à la télé, ils connaissent déjà tout. Ben oui, donc parfois ça gêne, hein. Ça gêne. Ce sont les gens qu'ils s'ennuient même. Parce que vous n'êtes pas au même niveau intellectuel que eux. Donc du coup, ils s'ennuient, ils ne peuvent pas parler avec vous. Vous allez parler quoi avec un enfant qui a l'esprit, la tête développée, l'esprit développé. C'est pour ça qu'ils sont bien encadrés. Ce sont les êtres très rares. On les met dans leurs choses. Ce sont les enfants qu'on contrôle partout. Ce sont les Einstein. Ce sont les enfants sudoués qui ont trouvé la lumière. Ouais. Donc voilà. On va faire comment? Ngossa, on est encore avec Ngossa. Je te traîne, n'est-ce pas, c'est toi le passeport supérieur. Nous, on est avec Ngossa, parce que Ngossa, alors que les gens ont les enfants qui ont 12 ans, 11 ans, qui ont le bac, qui ont ceci, Ngossa, on est encore en train de faire A, B, C, A, B, vous voyez non. Maman, elle fume, était tellement sous jusqu'à elle dit, vous avez vu? Elle a sauté F. On est accueilli. Pontiac, il y a tellement que je suis des gens à faire. Je peux aller au Cameroun. Pourquoi? Mais je vais aller au Cameroun, Pontiac. J'ai insulté le cul de ta mère. J'ai insulté le sale cul de tes parents. Et ta pauvre chien de grand-mère qui est dalle depuis. Que son cul puis lolo. Dis-moi, j'ai insulté qui? J'ai insulté les stades de tout ce que moi je suis raconté. Laisse-moi. Et tu vas me faire insulter.
deux puissent sont égales vers toi. Va là-bas, dis donc. Regarde-moi ça là, des sales gens, des sales femmes. On ne parle pas de ta sale chienne que comme ici. Hein. Dégage, dis donc. Dégage. Que comme elle est morte ici. Elle n'avait pas encore que comme en train de supplier Nathalie ou quoi. Que comme supplie Nathalie ou quoi, uniquement pour qu'on la voie. Un point chaque niate. Je vais aller au Cameroun. Pourquoi je vais aller au Cameroun? Pour aller au Cameroun, c'est un concours. J'étais au Cameroun en mars de l'année 2020. Hein? Je mens. J'étais l'année dernière au Cameroun. Hein? Vous avez oublié ça? La seule star Blakata qui voyage naturellement ici à Facebook, c'est la veuve joyeuse. Hein? Tu entends? Je voyage tous les ans. La seule année que je n'ai pas voyagé. Tous les stars qui partent au Cameroun, elles rentrent avec quoi? La honte de ça. Tant que comme elle est partie laver son corps là-bas pour une tchèque-niaque, elle a eu quoi? La honte va la tuer. Tu vois qu'avec tous les pains qu'on vend ici à Château Rouge là, tous les pains qu'on vend à Château Rouge, elle dit qu'elle est partie là-bas pour faire acheter les choses pour aller. Depuis qu'on achète les choses pour aller au Cameroun, le Togo est devenu Dubaï. Le Togo est devenu quoi? Hein? C'est-à-dire que le Togo est devenu quoi? Donc maintenant, Togo, qu'on va acheter des trucs. Fleur de Lille. Vous allez, vous avez déjà abandonné. Vous avez même honte d'elle. La pitié, si on peut vous tuer. Fleur, vous avez nos abîmes. Vous avez honte de ce que je suis. À Facebook, je ne vois plus trop les photos. Hein. Vous ne mettez plus les photos de Fleur de Lille. Hein. Bon, tchagnat. Hein? On ne voit plus les photos de Fleur de Lille. Hein. Oh, oh. La honte de la toile. C'est-à-dire, quoi que Fleur de Lille a insulté ici matin, midi et soir. Insulté ici matin, midi et soir. Matin, midi et soir, elle va maintenant parler de Fleur de Lille. Oh! Dès que quelqu'un de Fleur de Lille arrive ici pour m'insulter, hein, moi-même je vous insulte. Qu'est-ce que non? Avec tous les pailles, on vend les sacs ici à Château Rouge. Dieu dit, on vend vraiment les tissus. Elle qui peut aller laver son sale quoi, qui pue la merde pour dire que, oh machin, c'est mof! Et oui, je t'avais promis que, arrête tes abeilles, hein. Tous les gens qui viennent m'insulter là, vous venez m'insulter, je prends que Fleur de Lille. Je vais la dégager chaque temps. Elle va laver son corps. Vraiment, Calambolinda ne marche plus. Parce que là, maintenant, elle ne sait plus quoi dire. Ce sont des ayapseurs. Bange. Tu dis que, hein, que la femme joyeuse ment. Toi-même, tu veux vivre sans mentir. Même le bon Dieu ment. Même Paul Biya ment. Même Macron ment. Toi-même, tu mens chaque temps. Tu ne mens pas, toi. Qui dit ça mentir? Dis-moi. La veuve joyeuse ment ainsi. Qui dit ça mentir? Tout le monde ment. Parce que le mot mentir fait partie du vocabulaire. Et c'est écrit dans le livre de grammaire. Tu entends? Salope. La veuve joyeuse, papa. Je ne vois pas pourquoi. Et là, on vous connaît pas les doubles estimes. Vous êtes ici avec moi. Vous êtes aussi avec eux. Quand est qui? Elle n'est rien. Toi là, Solange, Mapuchamou, machin, tu rentres, ça va m'écrire. Tu viens parler quoi ici? Qui ne ment pas à Facebook? Qui ne ment pas? C'est que la veuve joyeuse qui ment. Quelqu'un ne ment jamais. Les bamiléques là, vous qui me détestez, les radicales là, ne venez pas chez moi, hein. Je vous dis d'abord. Quand votre bamiléque fait le livre, vous faites quelque chose là, on ne peut vous tuer. Maman, je suis en train de racoler les mariages, les sous-quartiers, racoler tout dans les réseaux sociaux, racoler tout. Hein? On va que moi, je racole. Bon, Tchagnia, tu es venu, non? Je veux dire encore parler. Tout le monde voyage. Toi, tu voyages quand? On vous voit quand? On vous voit où bavarder? Moi, je veux bavarder parce que j'aime les gens comme ça. J'étais déjà bloqué partout. Tu me cherches comme la torche pour venir ici. Pour venir faire quoi? Quand? Parce que tu es la personne de Fleur de Lille. Alors, comme tu venais m'insulter, hein? Tu attends. Moi, je suis que Fleur de Lille parce que toi, je ne te connais pas. Parce que c'est toi qui. C'est elle qui t'envoie. Donc, les histoires qu'on dit que non, il y a certaines couples. Non, c'est, je connais ton compte aussi. Les sales gens, les arrivées des réseaux sociaux, les pauvres crevards. Hein? Vous ne vendez plus les. On n'a pas encore monté vos pages. Les sapacs. Pardon? Bande de sapacs. Il n'y a pas de clients. On a votre fleur de lit. Numéro 1 de Facebook, maman. J'ai dit que le Mbrakata, bon, c'est que Mbrakata, ouah.
Je vous ai dit ça comme bracata, c'est comme bracata. Donc, pour Tchernyat, hein, tata, non, je vous envoie la réponse pour dire que, quand, chaque fois que tes petits bâtards vont venir m'insulter, c'est toi que moi je prends. Tata, non. Donc, je répète, c'est toi que moi je veux prendre. Je m'en fous, mais pas de toi par monotiser, ce n'est pas grave. Mais je vais te prendre. Donc, voilà, alors qu'ils venaient souvent ici là, bavarder ici que po, des sales gens qui n'ont pas de vie. Ils sont chez eux. Ils n'ont pas de vie, aucune vie. Les gens qu'on a dit des ponts Tchernyat, ce sont des gens que j'ai déjà bloqués depuis. Depuis, où est-ce d'eau? Tu ne pars pas au Cameroun. Partez, non? Partez au Cameroun. Est-ce que le Kachou au Cameroun, c'est le qui veut? C'est l'équipe? Allez-y. Moi, je ne pars pas. Je n'ai pas les moyens. J'irai un jour. Un jour, j'irai au Cameroun. Qu'est-ce que vous en savez même? J'irai au Cameroun. Est-ce que partir au Cameroun, c'est un problème? Ah. Ça devient quoi? Allez au Cameroun, ça devient déjà que la concurrence, hein? Moi, encore que je vais aller au Cameroun. Vous allez me voir assise, bien même. Comme la nièce, je ne suis pas partie à dire que tout le monde est pauvre, comment tu ne peux pas partir. Quand vous partez sur le Cameroun, le résultat, c'est quoi? Maman, le sac, c'est... J'ai mis un peu de chocolat ici, vous parlez de mon sac, c'est plus large, quand tu as toujours le chocolat ici. J'espère que l'amour n'a pas de remettre les tout dans mon sac. Hein. Bon. Il est quelle heure? C'est à 17h. Je vais essayer de me reposer un peu. Le gombo n'est pas facile. Hein. J'ai dit que hein, chaque fois qu'une abeille vient m'insulter, parce que Pontchagnia, c'est le bras droit de Fleur de Lille. Et que le bras droit de Fleur de Lille, c'est Pontchagnia. Donc, quand vous aimez quand elle insulte Fleur de Lille, oui, mais moi je la dénigre seulement parce que j'ai pitié d'elle. Elle fait pitié quand tu la vois. C'est une femme qui ose aboyer. Oui. Oui. Alors, Cameroun, c'est quoi? Donc, je vais quitter ici Kouyakou. Je vais prendre mon billet d'avion, je m'en vais pour souffrir au Cameroun. Pour demander. Hein? Pour demander ça, pour dire à ma copine que, hey, Victoria Vasquez, j'envoie ma 100 euros, hey, ma chère, envoie ma ceci, c'est ça que vous voulez. Quand tu voyages pour quelque part, il faut s'asseoir d'abord, tu arranges avec ton petit budget. Parce que là-bas, ce n'est pas donné, même le bonjour là-bas, il ne faut pas dire bonjour à quelqu'un. Parce que quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est synonyme que viens t'asseoir, tu bois la bière, viens t'asseoir, tu manges, et en partant, 10 000 doivent partir pour le taxi, ou 5 000. Parce qu'ils n'aiment pas les 2 000. Ils aiment seulement 5 000. Quand quelqu'un te sent, quand tu donnes 5 000 à quelqu'un, comment qu'ils font? Donc, il faut comprendre, Miwaros. Donc, il faut comprendre. Donc, vous qui voyagez au Cameroun pour vous montrer que je suis au Cameroun là, hein. Ça, c'est pour vous là-bas. Non, moi je ne veux même pas les épisodes de bonjour là. Bonjour de quoi? Mais c'est vrai. Hein? Comme maintenant que. Voilà.
Allez-y là-bas. Prudence, Majo. Fais ta vidéo, tu danses, non? Sale chienne. Je suis qui pour toi, imbécile. Va toi-même danser, non? Donc, en plein jour, je vais mettre à danser parce que je vais vous me mettre. Tu me donnes quoi? Vous me donnez quoi? Hein? N'importe ta mère, imbécile. C'est moi qui insulte, hein? Je vais vous montrer que j'insulte. Salope. Maman, c'est devenu quoi? Avant, tu mettais des vidéos, tu dansais. Même le corps est fatigué, non? Envoie mon Dagobert, tu vas voir comment il va te faire un scriptiste ici. C'est gratuit, tu es payant, hein? C'est toi qui paye ma connexion ici. Tu me payes quoi? C'est moi ça. Eh, quoi, tu fais? Mais vous donnez les ordres à qui? La plus grande danseuse de Facebook comme moi, parmi tous les stars là qui dansent plus que moi ici là. Bon, ça le jour qu'elle sait qu'elle veut y draguer le mari de quelqu'un, elle fait clic à Facebook pour danser ton, pour monter ses sales fesses, pour prendre les copains des gens. C'est ça là? Donc, même en plein jour, je viens de manger mon gombo. Je veux danser pour te faire plaisir là où tu es assis. Pour pas. Va demander à Moussa de faire clic. Va demander à Lolo de danser. Va demander à un cœur de danser. Quand quelqu'un veut danser, danse-moi d'abord, quoi, danse-moi pour montrer son corps. Qu'elle a refait. Pour montrer qu'avec les longues robes d'Ali Baba qu'elle porte là. Vous savez, je ne veux pas parler de Babadé ici. Hein. Mais on dit que j'insulte. J'insulte comme roi. N'y a pas de bonjour. Je ne dois pas insulter. Maintenant que tu dansais, ça donnait la joie. C'est devenu votre joyeuse de rien, donc. Votre joyeuse de rien. Vous me donnez. N'y a pas de bonjour. Je ne peux pas rester sur ma voix, même en Western Union. Je peux rester sur ma voix quelque chose, même un quart de plus, et c'est rien. Je ne vous vois pas. Après, vous avez marqué qu'il a d'abord fait une demande de faire des vidéos. Depuis faire des vidéos, je vous demande quelque chose. Je ne dois plus boire mon vin, je vais finir manger mon gombo. Où je calcule là, je vais devenir ma chambre là, où dans, je m'écoute dans mon canapé. On me dit que avant tu dansais. Tout le monde insulte à Facebook, mais je ne comprends pas. Hein. Quand vous avez passé des vidéos de local, le loup insulte. Vous avez parti chez la bête, ça, mais quand le salopard de la bête, ça m'insulte. Vous avez chez le local, le loup insulte, mais la seule personne qu'on dit qu'il insulte, c'est moi. Oui, moi j'insulte. Imbécile, bande de. De commandeuses de machin. Chaque personne peut s'appeler à Facebook. Hein? Ça veut dire danser. Hein? Et dégage, je te bloque ici. Comment je. Président majeur, allez, dégage. On te veut pas. Salope. Quack. C'est vrai que j'attendais pour qu'elle parle. Mais les gens pas juste pour les. Vous savez, Facebook, si, hein. Les gens parlent des autres pour des morpions, hein. Ah. Quelqu'un est là couché avec le soleil, avec le froid qu'il fait dehors, là. Je viens de manger. Hein. Je bois mon petit vin pour aller dormir. Quelqu'un vient, hein. Je te dis. Les gens viennent ici, là, pour me dire que je dois avant, tu faisais avant. C'était avant. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est noir. Quand elle pense que je veux sortir encore là, chercher, aller laver le sol, c'est facile. Et vous demandez que la rue, tu maigris, tu maigris, tu prends quoi, tu bois quoi. Tu bois les escaliers. Le tout, c'est. Que quoi? Les gens sont de toi parce que tu attends. Ton immeuble au pays, quel immeuble? J'ai un immeuble. Donc, pour vous réussir à avoir un immeuble au pays, réussir dans sa vie, c'est d'abord s'asseoir bien manger chez soi. C'est ça qu'on appelle que, hein, réussir. Je bois. Je vois les escaliers. Chaque jour, chaque jour.
Quand on lève les escaliers, hey, tu commences au 8e. Les escaliers. C'est facile. On fait des bureaux d'escalier. Maman. Quand tu arrives en bas, justement, que ouais, et tu ne sautes pas parce qu'il y a les caméras qui te regardent. Hein. Les caméras te regardent. Moi, je bois les escaliers, maman, pardon. Ben oui, je bois. Tu commences au 8e. Ah. C'est un choix. Ah, je vous laisse. Je travaille où? Je travaille au petit quoi? Petit travailleur. Maman, je ne sais même plus comment on appelle ça. Je travaille à côté, non? Est-ce que je bois les escaliers bien même? Je bois les escaliers. Quand vous dites que je bois les escaliers, il faut comprendre. Tu commences 7e, 8e, 9e. Dès que tu arrives au rez-de-chaussée, tu dis que. Ah, pétard! Pétard! Non. C'est mon choix, j'ai choisi. Ça, je dis que si pas nous les passe, peut-être que les choses vont aller mieux pour moi. On doit me reposer même pendant un mois au pays. Les gens qui disent que tu ne pars pas au pays parce que. Quand c'est 500 euros qui me manque de payer les billets d'avion pour aller au pays. Pas du tout, hein. Mais. Vous allez aller vivre au Cameroun avec quoi? Pour sortir encore avec la honte là-bas, comme la dernière fois qu'on a pris un gros quand ils sont venus mettre le sang de la poule dans. Dans les lits pour dire que c'est j'ai essayé. Les gens me font rien. Et oui, mon bureau c'est l'escalier, oui. Mais oui, non. Maman, c'est les escaliers. Mais tu travailles, non? Est-ce que les blancs sont sales? Est-ce qu'il y a d'abord la boue ici? Il n'y a pas la boue ici, hein? Donc, mon bleu, est-ce que c'est sale? Il n'y a pas la boue. Tu fais seulement wassa 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 wassa, c'est bon, non? Tu es de retour. Mon bleu, c'est sans les escaliers, oui. J'ai dit. Bon, je vous laisse. J'aime bien l'odeur de ça. Ça s'appelle comment? Kodali. Ça sent très bon. Eh, Antiana. L'odeur de ça. Bon. Mais ça. Petit travailleur tranquille. Je m'en vais. Solange Niat, elle est revenue à faux profil. Quand elle revient de son problème, et que moi j'ai un problème avec elle, elle commente ma chaîne finie avec elle. Bon, je vous embrasse. Je remercie tout le monde qui a regardé cette merveilleuse vidéo. On sera en direct ici ce soir. On va danser un peu, on va parler de tout et de rien. Et puis, bah, je vous souhaite. Allez vous abonner chez Patrice Amel. Allez vous abonner chez Patrice Amel. Voilà. Patrice Amel Evans. Vous vous abonnez là-bas. C'est là-bas qu'elle va faire des choses pour sa soirée. Et tout et tout. Et moi, je vais essayer. Et moi, je vais essayer de... Abonnez-vous. Abonnez-vous chez Patrice Amel. Les gens qui mettent les têtes de mort, là, je vais vous bloquer. Abonnez-vous parce que nous sommes sur le 5 mars sur les Champs-Élysées. Oui. Je serai là-bas sur les Champs-Élysées. Et les gens vont voyager partout et tout. La plupart des gens qui m'aiment bien seront là. Ils vont venir nous suivre. Voilà. Donc, connectez-vous ce soir.
Hein? On va danser et puis on va faire la publicité de la soirée de Patrice Amel. C'est spécialement soirée de Patrice Amel ce soir. D'accord? Donc je vous embrasse à ce soir. Donc bah, je serai là en direct à, je ne sais pas quand. Je ne sais pas, peut-être à 20, 22h. Oui. Ouais. Avec nous. Quand il rentre comme ça du travail, après je dors encore un peu. Et après, pas un peu de forme et tout. De toute façon, je vais vous dire là que je serai en direct. D'accord? On va faire la promotion de la soirée de Patrice Amel. D'accord? Donc, restez connectés. Voilà. Quand une personne fait quelque chose comme ça, nous tous, on doit être autour d'elle. Peu importe qu'on va dire que, Donc, voilà. Donc, je vous invite tous à être là. À être là ce soir, d'accord? Allez vous abonner massivement chez Patricia Mel. Patricia Gemel. Oui, Evans. Oui, c'est pour son événement là. Donc, s'il vous plaît, on va aller. Voilà, à ce soir. Bon, à ce soir. Je vais vous dire, quand je vais rentrer, je vais vous dire, d'accord? Je vous envoie. Merci beaucoup. À ce soir, ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Bisous, bisous, bisous. À ce soir, on va faire la joie. On va danser, c'est pour être à Dieu. Tout se passera à merveille. D'accord? Je vous embrasse. À ce soir, il faut que j'aille me reposer un peu. Après, je vais faire mes escaliers. Je vais boire mes escaliers. Mon travail, c'est dans les escaliers en France. Au moins, moi, je suis petit travailleur. À ce soir, merci.